Chers frères et sœurs, nous sommes passionnément aimés de Dieu. Et c'est le mystère de cet amour que nous célébrons aujourd'hui. En effet, aujourd'hui, un homme marche seul vers son destin. Parce qu'il aime, il est haï. Parce qu'il est doux, on le torture et on le tue. Parce qu'il pardonne, on l'accuse. Parce qu'il bénit, on le maudit. Comme des millions d'autres humains, Jésus souffre de la violence. Mais parce que son destin est unique et qu'il est le Fils de Dieu, il annonce l'amour et le pardon. Il proclame la vanité de la violence. Voici le jour de la grande humilité de Dieu. Voici le jour de l'amour absolu. À notre tour, invoquons en silence l'Esprit et laissons-nous prendre par la liturgie de ce jour. Ce sera notre manière de nous laisser saisir aujourd'hui par le Christ. Par cet office de ce vendredi saint, anniversaire de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, nous méditerons le récit de la Passion du Seigneur, puis suivrons les intentions de prière que clôturera l'oraison du prêtre. Et nous repartirons ainsi de suite pour les différentes stations. Pensons à Jésus, qui est mort pour nous, pour effacer nos fautes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, nous implorons notre miséricorde, ta miséricorde, pour nous-mêmes, pour les mourants, pour les âmes du purgatoire, ainsi que pour ceux et celles qui te bafouent, te canonisent, t'offensent. Ô Seigneur, daigne nous accorder les mérites de ta sainte passion, que nous allons méditer à Notre-Dame des douleurs, Mère des pauvres, que nous sommes. Aide-nous à prendre part aux souffrances et à la croix de Christ, afin qu'unis à sa passion, nous entrions dans la vie. Frères et sœurs, confions au Seigneur toutes les personnes, toutes les victimes de la guerre et de toutes sortes de violences. Dans ce chemin de croix, nous suivons pas à pas avec le Christ et nous souffrons avec lui pour avoir part à sa résurrection. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons au Christ et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. C'était un vendredi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Alors ils prièrent, à mort, crucifie-le. Il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié et ils se saisirent de lui. Commence alors le chemin au pays obscur, celui des hommes autant des cœurs endurcis, de la violence à l'heure de la nuit, lui, le Fils de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, et nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Croix dressée sur le monde, croix de
Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit, le crâne ou calvaire, en hébreu Golgotha. Jésus est désormais seul, hors de la ville. En ce chemin, il porte la souffrance de tant d'autres, et la nôtre. Nous vous adorons, ô Christ. Jésus porte la souffrance de tous les humains. Pensons à toutes les victimes de toutes sortes de violences, les victimes de la guerre. Pensons aux soldats morts pour la France, pour la patrie, pour la justice, et tant d'autres qui portent la souffrance. Chacun de nous porte aussi une souffrance, un souci. Faisons notre avec le Christ.
notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, que par ta miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles et des saints reposent en paix. Amen. Toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Jésus tombe, le poids de la croix est si lourd. Le souffle en moi s'épuise. Mon cœur, au fond de moi, s'épouvante. Je tends les mains vers toi. Me voici devant toi, comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Je suis à bout de souffle. Pensons à tous ceux qui tombent. Toutes les chutes de nos vies. Chaque fois, nous aussi, nous tombons. Nous avons nos propres chutes. Pensons à Jésus, le poids de la croix qui pèse. Il avait pensé à nos poids, à nous. C'est pourquoi il s'est mis à laver les pieds, qui soulage, parce que tout notre corps pèse sur les pieds. Il a lavé pour soulager nos pieds, nos péchés. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Victoire, tu règneras, on croit, tu nous sauveras. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu règneras, ô croix, tu nous sauveras. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Arrêtez devant la poste.
quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde. Proche de part, Jésus rencontre sa mère. Proche de part en part, Marie. Siméon lui a annoncé le glaive de douleur. Elle sera aussi debout au pied de la croix. Le regard du Fils croise celui de la mère. Prière silencieuse de tant de mères. Un enfant, même un grand enfant, est toujours fils de sa mère. Quand Marie rencontre son fils porté la croix et qui tombe, Marie pense à Jésus 30 ans plus tôt, un petit enfant qui court et qui tombe, qui est aimé par sa mère. Et Marie porte en elle les douleurs en même temps que son fils. Confions à Marie toutes nos souffrances et unis avec celle de Christ. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Cinquième station. Simon de Cyrène porte la croix de Jésus. Ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Ainsi, mystérieusement, Simon devient disciple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous.
que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles repassées reposent en paix. Amen. Vous voulez que je tienne? Non, je vais le faire. Sixième station. Véronique essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Nous ne savons d'elle que son prénom, lié de si près à son geste de compassion. Alors s'inscrit en elle et en tous le visage de Jésus en sa passion, visage souffrant qui en rappelle tant d'autres, comme résonne en tant de cœurs et de gestes la compassion pour tout homme, image de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Que par la puissance de Dieu, les âmes fidèles défuntes
repose en paix. Amen. Sinon, on va à l'église, hein. C'est bon. Hein. Oui, on va à l'église, comme ça. Hein. Comme ça, on va à l'église directement. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
septième station, Jésus tombe une deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus tombe à nouveau, comme tant d'autres tombent, ou appréhendent au plus profond la rechute. Mon âme est collée à la poussière. Fais-moi vivre selon ta parole. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Station. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jérusalem. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Sur le chemin de la Passion, Jésus invite chacun à renaître. Neuvième station. Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta sainte croix. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Ainsi, la vie de Dieu donnée tombe en terre profonde. Oh.
sixième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as rendu le monde par ta sainte croix. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort, lavant les pieds de ses disciples. Jésus s'est dépouillé de ses vêtements pour celui de l'esclave. Désormais, ses vêtements lui sont enlevés et tirés au sort entre les soldats. Dépouillement total. Jésus est cloué sur la croix. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » En ce lieu est donné le pardon. Cela, Jésus dit, j'ai soif. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Joseph d'Arimathie demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Marie est demeurée présente au pied de la croix. On lui remet son fils. Présence bouleversante d'une mère quand la vie n'est plus. Thank you.
troisième station, Jésus est déposé au tombeau. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus est déposé au tombeau. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Le Seigneur repose en terre, comme le grain semé. C'est le temps de l'attente, le temps de la foi. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Avant de commencer notre office de la croix.